Bonjour à tous, bonjour à tous, bonsoir à tous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un film de science-fiction nommé Gods of the Deep, les dieux des profondeurs, en français. Ce film est une production sci-fi. Voilà. Léo va vous lire le synopsis. Lorsqu'une mission audacieuse conduit une équipe de sous-marins vers une ouverture mystérieuse au fond de l'océan, ils découvrent un monde perdu et réveillent une ancienne race d'êtres d'un autre monde. Alors, dès que j'ai vu ce film-là, au départ, les 20 dernières minutes, je me suis dit, c'est quoi ce film de merde ? Le doublage est pas terrible. Au départ, les acteurs n'étaient pas convaincants. J'avais l'impression de regarder une pièce de théâtre avec des acteurs qui sortent leur dialogue sur commande, voilà. Arrivé à Providence 1 et 2. Il est tellement à la pointe de la technologie qu'il peut nous emmener en toute sécurité dans cette brèche antique, dans le plancher océanique de l'hydrosphère. Petit à petit, le film a commencé à devenir intéressant quand la pieuvre a fait son apparition, une sorte de pieuvre. Il a bientôt fini. Il est peut-être en danger. Dans une minute, il aura ce qu'on lui a demandé. Ce sera trop tard. Mais en fait, le truc dans ce film-là, c'est que la menace n'est pas la pieuvre, en fait. Il n'y a aucune menace dans ce vaisseau spatial. C'est juste que, en fait, quand les acteurs sont face à cette abomination, eh ben, ils perdent le contrôle d'eux-mêmes. Voilà. Visuellement, c'est beau. Je vais pas dire que c'est dégueulasse. Vraiment, les acteurs sont bien impliqués. J'ai passé un bon moment, mine de rien. Le film dure seulement 1h13. Voilà. Alors, on a une copie de Donald Sutherland, hein, directement. Hein, j'ai directement vu que c'était la copie de Donald Sutherland qui commence à perdre les pédales. Cette entité prend possession de lui et prend possession de plusieurs membres de l'équipage. Ça m'a fait penser, bien évidemment, à The Thing directement. Ça m'a fait penser à Alien parce que on veut prendre cette créature. On veut en fait prendre un spécimen de cette créature pour l'analyser, etc. Et bien évidemment, on ne dit pas à ces protagonistes qui partent vers une mission suicide. On leur dit que vous allez gagner beaucoup d'argent, etc. Tout est bien mené et rendement mené. Bien évidemment, on a déjà vu ce genre de film. C'est pas la première fois. Alors, le côté hallucinogène, c'est directement Event Horizon, hein, on va pas se le cacher. C'est un panaché de plusieurs films de science-fiction. Alien, Event Horizon, Abyss, même Abyss par moment, parce qu'on a vraiment... Mais vraiment, on a même du Rambo à la fin du film. Et du Metal Gear Solid, hein, parce que le mec avec le bandeau sur la tête et tout. Bref, la bande-son est intéressante. La bande-son est vraiment intéressante. C'est vraiment, je m'attendais pas à ça. La musique est vraiment, rentre bien dans le rythme. Quand on écoute la musique avec les scènes d'action, vraiment, c'est plaisant à regarder. Quand on rentre dans un film, j'ai toujours aimé la science-fiction. Moi, la science-fiction, ça me permet
de voyager. Je m'attendais à un film, un genre de... comme un cri dans l'océan. Je pensais que j'allais voir une copie d'un cri dans l'océan. C'est ce que je m'attendais. Mais non, c'est un panaché de plusieurs films. Le doublage n'est pas terrible, bien évidemment. Mais la fin laisse présager qu'il va avoir une suite. Voilà. C'est un truc à petit budget. Les acteurs ne sont pas connus. Voilà. On a un sosie de Donald Sutherland. On a un sosie de Charlie Hunnam. Entre Charlie Hunnam et... entre Charlie Hunnam et Casey Affleck. Et on a un sosie de Byron James. Un mélange de Bruce Willis et de Byron James. Donc on a essayé de trouver des acteurs des années 90, des sosies d'acteurs des années 90, afin de faire un film générique. Voilà. C'est comme les médicaments, on prend le vrai et le faux. Voilà, le générique et le vrai. C'est là, le générique, c'est une copie du vrai, c'est pas le vrai. Mais ben c'est comme le coca, le faux coca et le vrai coca. Voilà. Et c'est quand même satisfaisant à regarder. Au début, les 20 premières minutes, il y avait que du blabla. Ça durait qu'1h13, hein, le film dure 1h13. Que du blabla. Et après, petit à petit, ça a commencé à s'enchaîner. Et vraiment, si je le trouve pas cher en Blu-ray, si ça sort en Blu-ray, je serai acheteur de ce film-là, malgré que c'est pas... Le milieu du film, la fin du film, c'est vraiment très intéressant à regarder. Voilà. Bien évidemment, c'est du déjà vu. Mais n'empêche que ça se regarde. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Je me ferai, à partir de maintenant, des soirées comme ça, nocturnes. J'aurais une barre de sang, ça aurait été meilleur, ça c'est sûr et certain. J'ai une barre de sang, mais elle n'est pas terrible. Mais vraiment, j'ai pris mon pied en le regardant. Je pensais pas que ça allait me plaire à ce point-là à la fin du film. 1h13, il faut le faire quand même. Il faut vraiment le faire. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Et salut à tous.